Aujourd'hui, on est avec un chef très connu, lyonnais, qui s'appelle Philippe Gauvreau. Et regardez, il arrive dans une toute petite voiture, qui est une petite 4 chevaux immatriculée dans le Rhône, avec un bruit de moteur qu'on apprécie, puisque Philippe Gauvreau, finalement, c'est moi qui l'accueille. Ça change un peu. N'est-elle pas mignonne avec ses fauteuils écossais? Petite voiture sympa. Ah bien, alors ça s'ouvre comme ça. Bah écoute, je suis ravie de t'accueillir. Bonsoir, Philippe, grand chef. Donc ça, c'est la petite voiture. Elle date de quand, cette voiture? Elle date de 57. Et donc, tu l'as toute mise aux couleurs de ton nouveau bébé. Elle était comme ça. Trop mignonne avec les portes qui s'ouvrent de ce côté-là. C'est une 4 places. Alors, donc du coup, tu vas cuisiner pour moi deux recettes, ouais. Pour nous et pour vous deux recettes. Mais avant tout, il faut qu'on aille faire 2-3 emplettes parce qu'on n'a pas tout ce qu'il faut, c'est ça? C'est ce que tu m'as dit. Alors, on va aller au Val de l'Ouest, là, qui se trouve juste sous le restaurant. D'accord. Donc, qui ont ouvert il y a combien de temps là, puisque... Ça a ouvert en même temps que nous, le 21 octobre 2020. 8 commerces, donc c'est bien hyper, hyper sélective. Boucherie, la maison vaissière. Oui, donc des maisons locales de renom. Ambiance le week-end, il y a beaucoup de monde en semaine. Ah oui, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et très fort. Donc, encore, on est sur du local. Là, la maison Bouillet. Ouais. Donc Sébastien et ses célèbres pâtisseries qui fait partie du groupe Relais Desserts. Alors là, donc Sébastien. Là. Alors ça, c'est le groupe charcutier qui est ouvert. Avec. Donc là, la cave. La cave, faut associer bien sûr tous les mets, il faut bien l'associer à quelque chose d'agréable. Donc c'est la maison Chapoutier. Oui, bonjour, qui sont aussi au Val Paul Bocuse. Tout à fait. Bien sûr. Voilà. La maison Célérier. Oui. Bonjour. Cédéal, petite dimension et grand produit. Ouais, avec que des produits, que des maisons de qualité, des produits de qualité. Alors Quentin, on est venu chercher des Saint-Jacques. Exactement. Et qui viennent d'où? Parce que c'est le chef qui va les cuisiner, bien sûr. Bretagne, Saint-Malo. Ouais, Saint-Malo. Sur une coquille de plongée. D'accord. Ah, ça veut dire quoi une coquille de plongée? Ça veut dire que c'est des plongeurs qui vont les chercher? Exactement. Quels sont à quel... Ils sont très profonds. Entre 6 et 10 mètres de profondeur. L'avantage de la plongée, c'est qu'on préserve les fonds marins. Il n'y a pas de drague, donc on ne va pas remuer, chambouler les fonds. Et puis l'avantage de la plongée, c'est qu'elles ont le temps de dégorger. Donc on a une belle noire, sans impureté, pas de sable. Faites voir un peu si elles sont jolies, là, comme ça. Ah, c'est les plus jolies. Celle-ci, c'est celle que je vous ai sélectionnée pour votre plat. Parfait, mais ça va être chouette, ça. On va pouvoir faire... Parfait. Allez. Génial, on y va. Bonne Merci, recette. Quentin. Et on va se régaler. C'est un bel endroit, donc je suis impatiente de te voir. Donc là, on arrive sur l'étage du restaurant. Ta terrasse, encore un rooftop, hein, finalement, toi qui officie déjà dans un lieu à Tassin avec un rooftop. Et tu me disais tout à l'heure que ce n'était pas encore la mode. Oui, à l'époque, oui. On va passer par là. Et sachant qu'on n'était pas, je ne suis pas à chercher des rooftops spécialement. Hein, ça a été l'occasion qui a fait que pour ici, c'était la proposition qui a fait le larron. Alors, chef, qu'allez-vous cuisiner pour nous? Alors, on va cuisiner deux recettes autour de la coquille Saint-Jacques. Donc, la coquille Saint-Jacques, parce que d'abord, une, c'est saison, c'est des produits de fête, c'est des produits qu'on a envie de manger, on peut les manger de différentes façons. Là, on va faire deux recettes. On va faire une poêlée et on va en faire une crue. Une qu'on va pouvoir faire soit en amuse-bouche ou en entrée, la crue, et celle-ci qu'on va faire pour le plat. Donc, les coquilles Saint-Jacques, on a été chercher tout à l'heure, des coquillers, on a les 4 belles noix. Là, on a à peu près 140-150 grammes qu'on va mettre par personne. Donc là, est-ce que c'est pour combien de personnes? Ça, c'est pour une personne. D'accord. On cuisine généreux. Hein. Ouais, vas-y, dis donc. Donc là, tu vas revenir. Donc là, je les poêle. Donc on va les snacker. Donc c'est juste... Ça veut dire quoi, les snacker? C'est-à-dire les mettre sur... Ben là, on les fait à la plancha. D'accord. À la maison, on peut les faire dans une poêle. Ouais. Ce qui est important dans la coquille Saint-Jacques, en général, c'est de la démarrer juste avec de l'huile. Et au moment où on la retourne, on met du beurre. Si on met du beurre dès le départ... Le beurre brûle. Ça fait des petits points, ça se met à bouillir. Ça fait quelque chose qui n'est pas beau du tout. Donc là, on l'assaisonne un tout petit peu. Là, ici, j'ai préparé un risotto.
Ouais. Donc on fait un risotto assez souple, crémeux, fricassé de champignons. Ça, c'est le petit jus d'arête. Donc on a récupéré des arêtes de saumon, de différents poissons qu'on a fait revenir avec des échalotes, du vin blanc en réduction qu'on a mouillé, qu'on a fait réduire. Donc ça, c'est le petit jus. Mm-hmm. Et ça, c'est une crème de potiron. D'accord. Donc la crème de potiron, pareil, une petite cocotte, des oignons sués, de l'ail, du thym, petite goutte de miel. On les met cuire à l'étouffée avec une petite goutte de vin blanc et du bouillon de volaille. Et une fois que le potiron il est cuit, on va le mixer pour obtenir juste une petite crème comme ça, bien bien lisse. Le potiron qu'on garde en morceaux de cette façon-là, c'est-à-dire on en aura gardé une partie de ce qui aura été confit. Et là, on va pouvoir dresser l'assiette. Donc, combien de temps on surveille la coquille Saint-Jacques, c'est très rapide. Hein. C'est 2-3 minutes. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est faire une surcuisson. Il faut la faire plutôt bleu, un petit peu plus bleu que pas trop cuit. Après, il y en a qui le veulent bien cuit, mais ça, c'est autre chose. Là, j'ai pris une assiette ovale pour avoir de l'aisance et puis pour pouvoir disposer un petit peu tout ce qu'on a au niveau des éléments. Donc là, la crème de potiron, on la met dans l'assiette. Ça, c'est ma façon de dresser. Après, chacun l'interprète comme il le veut. Donc là, après, on va prendre le riz. Chef étoilé qui a eu l'habitude. J'ai toujours été surprise, hein, parce que les chefs, vous êtes quand même très, très attachés, ce qui est normal, à la disposition, à la décoration. Parce qu'en effet, quand le plat arrive ou l'assiette arrive, on goûte déjà. C'est l'aspect visuel. Hein. Il faut donner envie. Il faut que quand on réalise une assiette, pour envoyer une assiette, moi, il faut que je me fasse plaisir. Ouais. Donc il faut que l'assiette, elle me plaise. Je me mets à la place du client, elle doit plaire au client. C'est pas juste des éléments qu'on envoie. Bien sûr, et tu aimes quand c'est coloré aussi. Ben, on met de la couleur, on met du goût, on met de l'assaisonnement et on compose avec, bien sûr, les saisons. Donc champignons, risotto. Tu es plutôt poisson ou viande, toi, dans tes plaisirs culinaires? Est-ce que toi, tu aimes, dans ta longue carrière de chef, dans différents établissements dont on parlera tout à l'heure? Il n'y a pas plus de l'un ou de l'autre, puisque d'abord c'est les saisons qui appellent le produit. Donc il y a des produits, là on va arriver sur le gibier, on va arriver sur la volaille, sur la dinde, sur le chapon. À chaque saison, on a envie de cuisiner. Alors ça peut s'associer avec les deux, mais c'est comme une collection de vêtements. Le client, en général, il aime bien venir et goûter du poisson. Parce qu'à la maison, faire de la sauce, l'odeur, se piquer avec les arêtes, c'est plus compliqué. Oui, puis je pense qu'on est moins à l'aise. Et ça fait partie, en effet, je suis la première à manger. Donc tu vois, regarde, la question que tu me posais, tu vois, elles restent super nacrées. Ouais. Elles sont poêlées, elles sont snackées. Donc là, c'est un plat, normalement, c'est un plat pour une personne, Maillan, ouais, comme tu disais. C'est pour une personne. Ouais. Après, on adapte aussi le plat à travers le menu qu'on veut réaliser. C'est-à-dire que s'il y a trois plats, s'il y a foie gras, poisson, viande derrière, bien sûr qu'on va réduire et puis on va équilibrer. Donc ça, superbe. Donc ça, on a tous les éléments qui sont là dedans. On va rajouter un petit peu sur le risotto du parmesan. Et puis après, on va lui mettre le petit jus d'arête. Donc ça s'appelle le jus d'arête. Ouais. Donc quel est le nom de ce plat? C'est simplement des coquilles Saint-Jacques poêlées avec un risotto, fricassé de champignons et potiron confit. Bon. Moi, je donne une note de 10 sur 10. Et avec ça, ce qui est aussi important, bien sûr, c'est de l'association. C'est le vin qu'on va ajouter. Justement, quel vin tu conseillerais? Alors, la première des choses, c'est en général, il y en a beaucoup qui ont une cave. Donc, ils vont dans la cave et puis après, ils font une sélection. Après, si on va sur un petit Condrieux, un Saint-Joseph blanc, pour rester local et régional. Voilà. Et là, c'est du bonheur. C'est le moment de fêter Noël. Deuxième recette, donc on part de la coquille Saint-Jacques, de la noix, et là on va travailler le produit cru. Donc on va faire un tartare. Donc la première chose ici, ce sont des échalotes qui ont été étuvées au vin blanc, réduction échalote vin blanc, dans lequel on a, avec de l'ail, dans lequel on a rajouté des algues qu'on a dessalées, qu'on a hachées et qu'on a incorporées au mélange. Donc ça fait un mélange très iodé. Et dans lequel on va rajouter des huîtres hachées. Donc là, on coupe la coquille Saint-Jacques en morceaux.
Important, important de garder de la mâche. Hein. Donc on fait surtout pas quelque chose. Un demi centimètre. Un demi centimètre. Donc là, on travaille en morceaux comme ceci. D'accord. On va le mettre dans un bol là. Et puis on va remettre la dernière pour la gourmandise. Là, on peut travailler de deux façons au niveau des poids. Si on veut faire des petits amuse-bouches, on les met dans des verres, ça va faire, on va dire, soit 5-60 grammes à peu près par personne. On veut le travailler en entrée, on va mettre à peu près 110 grammes. Et on veut le travailler en plat, moi je mets 180 grammes. Donc là, les coquilles Saint-Jacques, on va mettre une pointe de sel dessus. On va mettre les échalotes. Alors ça, on oublie, c'est quand même du temps de préparation, on est d'accord. Hein, c'est du temps de préparation. On va mettre l'huile d'olive citron. Ouais, voilà, c'est ce côté, cette amertume qu'il faut. C'est pas de l'amertume, mais c'est du... C'est l'huile d'olive citron pour assaisonner, pour mettre un petit peu d'acidité. On met une petite pointe aussi dedans de yuzu, qui va donner ce petit côté agrume. Donc rappelle ce que c'est que le yuzu. Ben c'est un agrume hein, qu'on achète et qui a vraiment un goût particulier qui fait mandarine un petit peu. Ouais. Donc ça c'est donc on peut l'acheter soit en jus, soit entier, mais on le trouvera plus facilement en jus, qui est très très bon. On peut le mettre dans une sauce poisson, on peut le mettre. Donc ça, je mets le côté huitre. Okay. Il a apporté vraiment ça, c'est un plat zéro calorie quelque part. Enfin, il y a un peu d'huile citronnée, mais c'est un plat hyper équilibré. Il n'y a pas de calories. Enfin, il n'y a pas de matière grasse. En revanche, c'est vraiment du goût. Mmh. C'est que de l'iode et du plaisir de la fraîcheur. Ça, pour les plats de fête, suivant si on a forcé un peu à Noël, jour de l'an, on peut vraiment se baser là-dessus parce que c'est très agréable. Et on y prend beaucoup de plaisir à goûter ce genre de plat. Donc après, on prend un cercle. Donc on va prendre quelque chose à la maison, un bol, un verre, quelque chose qui va nous servir d'un gabarit, ce qu'on appelle. Et puis après, on va le poser comme ça dedans, dans le cercle. Là, je parle pour un plat. Hein. D'accord, oui, on est sur le plat. Après, on a un cercle, voilà, par exemple ici, où on pourrait faire une petite entrée. Donc on tasse le mélange. Est-ce qu'il faut le mettre au frais avant de le servir pour que ça tienne? Non, c'est pas pour que ça tienne, c'est simplement déjà pour le conserver au frais parce que ça c'est important. Et après on le sert soit dans l'assiette ou alors à côté on fait ça. Avec une petite salade. On fait un petit mélange de salade dans lequel on va faire. Très séduisant ce plat. Mais c'est vraiment un plat de plaisir, de goût, d'iode, donc de mer. Et ça peut. Et avec ça devant, on peut se permettre de mettre une belle volaille à la crème pour équilibrer un petit peu le repas. Enfin, voilà. Donc ça, c'est que du goût, que du bonheur. Ouais. Très chouette. Mais écoute, merci pour ces deux recettes exceptionnelles. Moi, ça me donne l'eau à la bouche. Hein. Je te mets les deux. Voilà. Celle-ci, celle-là. La version avec la petite salade Saint-Jacques, à côté. Voilà. Les algues chaude qui sont là. Ou froide. Bravo. Alors, deux chefs pour le prix d'un, puisque Laurent Lecomte est donc le chef résident du RN Beer. Une brigade normalement, quand tout va bien, de 4-5 personnes. Voilà, une brigade de 5 à 6 personnes. Vous embauchez là tout le temps. Hein. Vous cherchez des gens motivés qui ont envie de travailler et de cuisiner des bonnes pizzas comme celles que vous allez réaliser. Et vous n'êtes pas pizzaïolo à l'origine. Alors, je ne suis pas pizzaïolo d'origine. Maintenant, c'est vrai que par mon parcours, je suis toujours intéressé par ce qui se fait dans la gastronomie, parce que la pizza reste quand même un plat gastronomique, vous allez vite vous en rendre compte. Je vous laisse commencer. Parce qu'il faut dire les choses, c'est qu'on a eu ce confinement qui nous a laissé un petit peu dans le plat de ce qu'on aimait réaliser, ça veut dire la cuisine. Et je me suis donc attelé à confectionner donc de la pizza, ce que j'avais jamais fait. Hein. Donc nous on fait une pizza dite napolitaine.
donc avec une pâte qui a minimum 24 heures de repos. Vous savez faire tourner. Voilà, ouais, je peux la faire tourner. Donc là, c'est une pizza. Alors, je dirais, là, la pâte, elle est plutôt... je l'ai laissé un petit peu dehors le temps que vous arriviez, donc c'est vrai que là, elle est un petit peu moins souple. Donc là, on est sur une pizza dite traditionnelle. Donc là, je vais vous faire voir un petit peu comment je confectionne ma pizza. Alors, l'intérêt de la pizza, là, elle est truffée, là. Là, on va partir sur une pizza, ce qu'on appelle la tartufata. Ah, la tartufata. Voilà. Donc là, moi, j'ai donc fait une duxelle de champignons, hein, une duxelle classique, comme dans un restaurant, ça veut dire échalote, vin blanc, champignons de Paris, champignons bruns, et ensuite j'ai associé de la truffe. Alors de la truffe, on peut en trouver. Ah, c'est très odorant. Hein. Voilà, ça c'est une truffe que j'achète donc par le biais de fournisseurs qu'on a sélectionnés. Hein, je travaille avec un fournisseur qui s'appelle Mamma Mia. Et bien sûr. Et donc là dessus, je viens y remettre quelques champignons. Est-ce que c'est une pizza qui marche beaucoup en ce moment, parce qu'on est au moment des fêtes, tout à fait, il fait froid dehors, voilà, les gens ont envie de manger quelque chose de, d'abord de riche, gourmand. Et puis qui fait fête, qui et fait qui Noël. Fait fête. Voilà, tout à fait. Donc là, on est sur la base de la pizza, donc je vais la terminer avec de la mozzarella, hein, une mozzarella, la délicatesse qu'il faut avoir, c'est pour enfourner sa pizza. Alors là, ça peut paraître facile, ce que je viens de faire, mais c'est un geste qui m'a mis... Je n'essaierai pas. J'ai mis à peu près un mois et demi avant d'y arriver. Donc là, on va enfourner dans un four rotatif. Oui, c'est ce que je veux dire. C'est un four rotatif qui nous permet d'enfourner environ, je dis bien, 8 pizzas en une seule fois. Là, je vais la mettre en cuisson parce qu'il est programmé. Donc nous, on a des programmations qu'on s'est, nous, adaptées à notre pizza. Donc environ 2 minutes de cuisson. Ah, c'est très rapide. Voilà, 2 minutes de cuisson, tout à fait. Et puis là, on a... Et je lui ai donné une rotation plus rapide aussi. Voilà, je lui ai donné une accélération. Alors, qui n'est pas forcément une accélération flagrante à l'œil. Mais nous, en tous les cas, on sait qu'elle tourne beaucoup plus vite. D'accord. Et oui, il faut penser que... Donc là, on la voit déjà vivre. Voilà, on voit les rebords, on commence à voir quelque chose apparaître. 2 minutes, c'est extrêmement rapide. En 2 minutes, ouais, tout à fait. Et là, c'est là où il ne faut pas se tromper de pelle. Ce ne sont pas du tout les mêmes pelles qu'on utilise. Et là, donc, je vais lui donner un quart de tour sur elle-même pour lui donner une coloration au niveau du sol et que la cuisson. Il faut savoir qu'un pain, une pizza qu'on va déplacer, elle va cuire beaucoup plus vite lorsqu'elle sera déplacée du lieu où on l'aura mis pour le début de cuisson. Ah, dites donc. Toujours, même sur une baguette de pain. C'est pour ça que lorsque vous mettez une baguette de pain et que vous la déplacez, vous pouvez la brûler. C'est très, très délicat. Ah, ouais. Donc là, il faut être très attentif. Et là, elle va sortir dans quelques secondes. Voilà. Et là, je peux sortir ma pizza. Donc là, on a la base. On a notre assiette. Et bellissima. Donc là, on a notre assiette. Oh. Voilà. Ben, il faut la manger, la pizza, comme ça. Hein, ben, c'est une pizza, hein, 31 cm de diamètre. Et là, maintenant, on va l'embellir. Donc, notre pizza pour l'embellir, on va aller lui amener une burrata. Oh ouais, mais ça, c'est richissime. On va y amener le jambon truffé. Oh ouais, mais alors là, c'est grande classe. Jambon truffé. Tout le monde va venir vous voir, Laurent, après cette vidéo. Ouais, en tous les cas... Vous êtes prêts, aujourd'hui, à les accueillir. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est une pizza qui marche très, très bien. Bah, dites donc, moi, je ne mange pas pendant 24 heures si j'ai une pizza comme ça. Donc, la pizza, voilà. Là, on est en train de la terminer. On va y ajouter. Et l'avantage, donc, c'est que c'est cuit rapidement. Il faut ne voilà, pas il la faut rater. Compter. Non, il faut être... Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé 7 mois pendant le confinement pour arriver à obtenir un résultat. Ah oui, donc vous avez mis à profit le confinement. Voilà, j'ai travaillé sur la pâte, comment associer ma pâte par rapport à ce que je recherchais avec ma clientèle. Et là, je la termine avec du balsamique. Donc là, on voit qu'il y a de la vraie passion, hein. Vous êtes voilà. Un passionné. Et là, on est sur une pizza. Waouh. Voilà, ça, c'est ce que j'appelle une pizza. Alors, voilà, on est d'accord. Qui peut être digne de notre restaurant, en tout cas. Exactement, bravo. C'est ce qu'on cherche à faire. Alors, donc, justement... Tu es un homme bon, connu, comme on le disait, avec un immense parcours. Tu as donc fait des études, évidemment, de cuisine. Tu es de Rambouillet. Ouais. Tu es venu à Lyon il y a combien de temps ? Je suis arrivé à Lyon fin 92. Donc, tu as obtenu une étoile en combien de temps ? En un an. En un an. Donc, 93-94, la première étoile.
La clé d'or en 95. Après, alors la clé d'or rappelle ce que c'est parce que tout le monde ne connaît pas. C'est donc le Goemio qui décerne. Voilà, ce qui décerne à un restaurant cette fameuse clé d'or, qui est une distinction que eux dans une région. Qui veulent donner pour ce que ça fait rayonner au niveau de la gastronomie. Et donc la deuxième étoile, tu l'obtiens combien de temps après ? La deuxième étoile, elle arrive en 2000, millésime 2000. Donc ça a été toujours trop long, mais quand même très rapide derrière, ouais. Quand même, hein, 94. Est-ce qu'on 2000. Sent qu'on a de la pression comme ça quand on a deux étoiles ? Est-ce qu'on sent que vraiment là, on atteint le Graal, on est. Non, est-ce parce qu'on que. Sent que la presse est autour de toi. Est-ce que. Le Graal, c'est trois étoiles, c'est oui, pas deux étoiles. Oui, mais on atteint. Enfin, je veux dire. Mais en même temps, nous a toujours dit que deux étoiles, c'était pas possible de les avoir dans un casino. Donc déjà là, on avait prouvé le contraire. Ouais. Et donc, ce qui était une belle étape. Entre-temps, il y avait eu le Tétinger en 97, le Messonnier aussi, de très beaux concours. Donc ça veut dire que tu es un homme qui aime les challenges de nouveau. C'est toi qui as envie de te mettre cette pression de challenge, de concours, parce que c'est quand même... Des gens qui sont contents d'avoir leur resto qui tourne. Toi, tu aimes bien cette compétition. Je veux pas dire que ça suffit pas, mais c'est bien d'avoir les étoiles. Les étoiles aussi, quand on les a eues, c'était oui, mais c'est normal. Tu es dans un groupe qui a les moyens de te donner ça. Donc ça, c'était certainement vrai de façon à avoir les moyens, mais en tout cas le résultat c'est ce qui se fait au quotidien, c'est ce qui se fait tous les jours et c'est le savoir qui fait qu'au fur et à mesure on avance. Maintenant la deuxième chose c'est justement par rapport à ce qui se disait, c'est peut-être pour ça que je me suis lancé dans les concours pour prouver que c'était pas uniquement parce qu'il y avait des moyens et qu'il y avait du résultat, qu'il y avait aussi des résultats par rapport aux moyens que je me donnais et ce qu'on pouvait aussi donner au niveau d'un concours. Ça c'est bien. Parce que le concours, on est au pied du mur, on est tout seul. Et justement, là, tu œuvres pour les Bocuse d'Or, hein, tu fais partie du jury. Alors, j'ai fait partie du jury oui, pendant pas mal d'années. Et en 2013, pour la deuxième année consécutive, enfin la deuxième session consécutive, la maison qui fait les vestes, la maison Bringard, me sort le col bleu, blanc, rouge. Je ne suis pas meilleur ouvrier de France, donc la première session, je vais les voir, ils m'ont fait une veste de suite derrière. La deuxième session, ils se trompent encore. Et là, du coup, j'ai demandé à la récupérer, ils m'ont dit non. Donc j'avais été voir Monsieur Paul, il avait récupéré la veste lui et puis il me l'a dédicacée. Donc voilà, c'est une veste. Donc tu l'as conservée, hein. C'est une veste que je garde bien précieusement parce que c'est un concours que j'ai passé et que j'ai pas eu. Mais voilà, c'est un petit clin d'œil et surtout, c'est un beau petit message de Monsieur Paul. Et donc merci pour ce moment passé avec toi, ces recettes qui vont certainement intéresser toute ma communauté. Donc encore une belle vidéo gourmande. Vous savez évidemment que j'apprécie de rencontrer nos chefs lyonnais de la région Auvergne-Rhône-Alpes. N'hésitez pas à liker, à commenter, à poser des questions si vous n'avez pas toutes les infos des recettes que Philippe Gauvreau a cuisinées pour nous. Et à très bientôt pour une autre vidéo. Merci Anne.